Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal là, en collaboration avec VOA Créole. Nous jeudi 27 juin 2024, mais parmi quelques points à bien pour nous développer dans le journal là, Premier ministre haïtien Garry Conille rencontré jeudi 27 juin 2024 là avec représentant et association industrie haïtio. Pendant la rencontre ça, il était profité pour être capable d'aborder plusieurs points ensemble avec monsieur dame association industrie haïtienne. L'autre information, il y a un examen qui a opéré dans la commune de Kouadebouke, mettait du feu jeudi, dans la mairie de Kouadebouke. Il était tout profité pour qu'il soit capable de mettre du feu dans plusieurs machines qui ont un espace la cour, eh bien, mairie. L'autre bord de l'eau, nous parler dans le pays Bolivie, gagner l'armée bolivienne qui posait la patte, eh bien, sous responsable en chef l'armée Silla, qui lui-même était visé par un coup d'État ensemble avec le président pays ça, n'a parlé de Luis Arce. Et puis, dans le pays Kenya, il y a une grosse mobilisation qui était faite pour bon côté population, pour qu'ils soient capables de continuer à demander eh bien, pour le président pays ça, William Ruto, à quitter le pays. C'est ensemble un point que nous allons développer dans le journal là. N'a pas tourné après pour ça. Nous tournons après pour que nous sommes capables de développer ensemble le point que nous avons annoncé en titre. Nous avons démarré avec information dans ce qui concerne le dossier politique. En Haïti, il y a un Premier ministre pays ça, Garry Conille, qui lui-même nous a rencontré jeudi 27 juin, ensemble avec membre de l'association Industrie Haïti. Discussion a même été déroulée autour de l'exonération de taxes et importation matières premières, amélioration du processus douanier et puis renforcement contrôle dans la frontière, sans oublier eh bien, un soutien à renouvellement loi O ainsi que El Plan. Eh bien, c'est ensemble un point que le Premier ministre Garry Conille ouais, ensemble avec membre association industrie haïtienne. L'autre information, appelez nous dossier immigration, il y a un garde-côte jamaïcain qui a même rapatrié jeudi 27 juin 2024 là, 14 ressortissants haïtiens. Parmi eux, il y a 4 femmes qui vivent dans une situation irrégulière dans le pays Jamaïque. Il y a une personne qui rapatrié, faut nous dit que, eh bien, il est sorti dans la commune Carrefour, il était obligé de quitter le pays par rapport avec la question insécurité qui gagnait dans la commune Silla. L'autre bord de l'eau, nous parler dans le pays, eh bien, Bolivie, gagnait l'armée qui posait la patte sous général en chef l'armée Zuniga, qui lui-même t'a tenté pour être capable de bailler un coup d'État ensemble avec le président pays ça, qui c'est Luis Arce. Pour nous dire, président pays a été lancé un appel mobilisation par rapport ensemble avec eh bien question coup d'État ça, les informations ont été dans les oreilles pour que l'armée ensemble avec la population était capable de mettre en branle pour éviter un coup d'État ça. Et puis dans le pays Kenya, population kenyane profiter une fois encore pour être capable d'occuper la rue, malgré que le président pays ici là William Ruto a décidé de faire back par rapport à avec la décision que l'été souhaitait prendre pour être capable d'augmenter prix taxes population qui pas souhaité quitter la rue et yo décidé pour que yo capable demander William Ruto retirer l'école sous pouvoir. Si tout autant que William Ruto pas retirer l'école sous pouvoir, il n'a pas quitté la rue. Il faut nous dire que la police dans le pays Kenya a utilisé un pile gaz lacrymogène pour qu'elle était capable d'écraser la manifestation. Ça, c'était une manifestation qui était faite dans tout le pays, pas seulement dans la capitale pays, ça, qui c'est Nairobi. C'est ensemble information que nous avons pour nous dire dans le journal. Nous avons invité à rester connectés. Vous devez voir Créole pour suite journal. Deuxième contingent, nous pourrons rejoindre Massado Vilme, qui lui-même était dans la zone airport là, matin. Nous, jeudi 27 juin 2024, il était environ 11 h du matin, les plusieurs journalistes ont braqué la caméra sous piste aéroport Saint-Louis dans Port-au-Prince. Après nouvelle qui fait qu'on ait un deuxième groupe policier Kenya qui a dû arriver dans le pays dans le cadre de mission multinationale soutien à la sécurité. Toutefois, nous sommes sur place pour nous capables de permettre de vivre le deuxième atterrissage ici là. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Massia Dovine pour VOA Créole.
Merci Massado Vilmé. Et pendant ce temps, on a cherché information avec plus précision sous éventualité pour ta gagner un deuxième déploiement ou bien un deuxième contingent et policier cap sorti dans Nairobi, capitale pays Kenya. Pendant ce temps, gagné un spécialiste dans le domaine sécurité, ancien colonel Himmler Rebu, qui dit l'aptone, qui type de doctrine pouvoir en place la peut utiliser par rapport à mission internationale là, qui commence à arriver dans le cadre de lutte contre gang armé. Nous sommes sur place, Ouena Toussaint, depuis Port-au-Prince. Premier ministre Garry Conille dit gouvernement Lamprel reprend le contrôle pays d'Haïti, caille en caille, zone par zone, grâce à GFOR, Force Sécurité Nationale, ak apui mission multinationale soutien à sécurité en Haïti que pays Kenya a dirigé. Ancien colonel Himmler Rebu, qui est un spécialiste dans le domaine sécurité, a un commentaire sur la question. Il dit Kay pa kay, quartier pa quartier, ville pa ville. Donc là, nous guettons un moment opérationnel. Donc, je ne sais pas pourquoi le ministre parle là. Cela veut dire ce que cela veut dire. Donc, on y a, nous-mêmes, dans la population, on a obtenu. Ancien colonel Himmler Rebu fait connaître, gouvernement et conseil présidentiel transition doit utiliser bon genre doctrine par rapport à mode opératoire y a gagné pour faire dans la zone défavorisée. Il faut que le gouvernement pense à aspect ça très sérieusement dans la question, pour d'abord déterminer la doctrine, la stratégie à mettre en place, ça, les techniciens qui peuvent faire ça, et ensuite, mode opératoire pour utiliser sur le terrain, ça c'est technicien d'exécution qui va faire ça. Et il y a toute instruction ça, c'est ça qui va permettre que j'ai mené une enquête, que j'ai fait filature, qui renseignement y a bien, qui moyen y a bien pour faire tout bagage ça. Et ensuite pour le résultat. Mais ce qui est sûr, population lui-même, lui connaît nos tout gros bandits. Il a pas qu'à venir tuer 15-20 monde que nous va connaître. Et puis, on dit non, problème de sécurité à résoudre. Parce que bandits ont connu, si on pas tombé, et c'est pas dans le cinéma pour dire nous tomber, il faut nous voir, parce que nous connaissons. Si on pas tombé vraiment, on pas cap dire non, problème de résoudre. Malgré tout, colonel Rebu dit communauté internationale là, doit connaître ces bandits à costume qui tout problème. Là. Bandits intermédiaires, c'est demi-patron. C'est eux-mêmes nous avons une vidéo qui a dansé. Avec quantité l'argent au gain, quantité piscine avec le privé au gain, c'est bandit intermédiaire, pas ouvert bandit. Il y a un autre bandit que nous conchitons dans le salon avec eux, qu'on a fait interview avec eux. Des bandits, des gros papes, mettre bandit. C'est eux-mêmes qui mettent business. Là. Si nous pas neutraliser intermédiaire, les finis pour la justice, mettre code dans le cou, bien dans le bras, ça a cravate. C'est quoi qu'on a fait, laver monsieur à terre. On prend pause, il y a une sécurité rétablie, et puis le problème n'a pas levé plus devant. Donc, on y a là, c'est pour CPTA, avec le premier ministre. Marie, quand son garçon est dans le réo, bien marré, et puis on y a pour faire face à problème. On va suivre. Ouena Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Ouena Toussaint. Toujours gagné réaction, cap tombé après arrivée, premier contingent. Et policiers pays Kenya dans cadre MMAS là et ben dans ville au Cap par exemple deuxième ville pays là il y a plusieurs militants politiques qui battent bravo pour arriver premier contingent ça mais on dit on souhaitait que mission ça pas même avec l'autre mission qui était venue déjà dans pays d'Haïti. Gérard Maxino c'est correspondant nous dans Cap Haïtien. 24 heures après soldats pays Kenya arrivé dans pays d'Haïti. Puis fort militant politique qui veut à Creole te parler avec yo mercredi 26 juin 2024 là bat bravo pour force internationale ça qui commencé prend forme li ici en Haïti. C'est pendant militant politique ça qui t'accepte répondre question la voix d'Amérique dit ou espérer que force ça différent de l'autre qui déjà passé dans pays a arrivé tout troupe ça en Haïti jodi a son soulagement. Nous dit soulagement, c'est pas parce que nous retirer sens nationaliste, nous sens patriotique, nous, mais c'est parce que pays arrivé, nos niveaux côté insécurité arrivé auprès des sommets et la police, l'armée d'Haïti montrait vraiment yo incapable pour résoudre le problème. Non? Eh bien, force internationale ça te promet, y a venir accompagner les populations, y a venir accompagner force de l'audio.
pour traquer bandits et une fois arrivé et bien nous dit son soulagement pour le pays. Mais nous souhaitons que ce n'est pas la même bagaille qui était fait dans le temps, par exemple en 1915 et 2004, et ce n'est pas la même bagaille là. Nous prenons conscience de problèmes, non. Nous disons vraiment, c'est vraiment un dernier accompagnement. N'a demandé communauté internationale là son dernier accompagnement, n'a prend en main yo et agit avec conscience pour que c'est vraiment un dernier accompagnement pays frais ça baille. Moi même pour que nous gagnions force étrangère qui viennent aider la République d'Haïti dans situation que nous trouvons là. Nous trouvons une situation qui dépasse nous côté que force haïtienne yo pas qu'à combattre avec gangsterisation à outrance que nous gagne là. Il faut que nous gagne Nations Unies qui viennent aider nous. De ce fait Kenya, c'est lui qui a mené force là, il est arrivé avec 400 policiers là qui viennent déjà. Nous même disons bienvenue et nous attendons pour que vous démantelez les gangs à Sapatio et les gangs à Vestio tout. Parce que nous ne pouvons pas attendre seulement pour démanteler les gangs à Sapatio. Si c'est seulement les gangs à Sapatio, dans un an, deux ans encore, il a retourné dans l'autre Tilapli, il a retourné dans l'autre Iso, il a retourné dans l'autre Barbecue. Il faut que non seulement déraciner les gangs à Sapatio, mais faire chercher les gangs à Vestio, les gens qui ont pris des examens, les gens qui ont douane là, les douane c'est dans la cour là, qui ont pris des examens, qui ont pris des balles. C'est ça qu'on fait même comme commerce aujourd'hui. Ils ont quitté de côté la cocaïne et pour que yo vend zam dans le pays. Donc c'est ça qui fait au bien et ça fait la société à mal. Côté mon a quitté Kayo, mon a quitté quartier. Donc nous ne pouvons pas vivre en paix et nous demandons à ce que force là li ratiboise tout le monde qui rentre dans la gangsterisation ratiboise. Pour moi c'est une victoire. Quand même dans souhaité, c'est un beau travail. C'est pas bagaille comestible et c'est pas bagaille traditionnel ou bien je vais vous faire. Parce que l'apparition est comme dans ce village. Nous ne pouvons pas faire ça bandit nous-mêmes. Bandit est décaillé, ce soit prison ou bien la mort. Selon militants politiques, Haïti n'a pas qu'à continuer à vivre dans la violence et l'instabilité. Jira Maxino Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique. En plus, on a posé question sur qui premier point qui gagne dans l'agenda ou bien dans le programme premier contingent Kenya. Une question qui est retenue, attention, collaborateur nous, Valérie Saint-Louis, depuis New York. Qui premier mission force police Kenya yo en Haïti? Premier contingent police qui gagne 6 points Nations Unies est arrivé en Haïti mardi 25 juin, presque deux ans après que Haïti te fait demande pour une force comme ça entrer dans le pays en urgence pour aider à mettre l'ordre dans des ordres. Après que violence gang yo te envahi majorité zone à quartier dans Port-au-Prince là. Yon contingent de à peu près 400 policiers qui sorti dans pays Kenya te atterri sous piste aéroport international Toussaint Louverture là mardi passé. Mercredi 26 juin 2024 là, premier ministre provisoire pays a Gary Conille te visité yon nan base côté que force là te logé tête li. Moi-même, je crois que nous à la veille d'un nouveau départ. M'a demandé population haïtienne là pour être vigilant, pour être confiant. On a travaillé avec partenaires nous, nous avons engagement tout partenaire nous, nous avons plusieurs pays qui peuvent faire partie de contingent qui peuvent venir supporter nous, nous avons plusieurs nations qui sont engagées à nos côtés pour nous reprendre le pays nous. Donc on n'a pas avancé, la population continue, continue patience, avec le reste vigilant, on n'a pas avancé. Mais il n'est pas fini trop clair qui ça qui a première mission force là et qui ça qui l'a gagné pour l'accomplir dans l'immédiat. Force police a pris le pour faire face à gangyo qui très violent et qui contrôlait à peu près 80% capital là. Violence gangyo d'après rapport qui sorti forcé au moins 580 000 moun dans pays a courir sauver quitter kayo et abandonner quartier. N'a rappelé que ça fait 4e fois que yon gros force militaire étranger fait intervention dans pays d'Haïti. Merci Valério. Et l'autre point qui est retenu, attention Valério, c'est Rex Théâtre dans Port-au-Prince qui tournait Konya yon abri provisoire pour moun kap chèche côté priorité après que gang a me fait quitter Bolakayo. Valério. Ancien local Rex Théâtre là qui a abandonné depuis longtemps dans Port-au-Prince tournait yon refuge pour plusieurs moun qui étaient déplacés à cause violence gang yon dans capitale pays d'Haïti. Pour moun qui en dedans espace là, tant kou Roman Ferré qui se yon boss maçon, Lidi Kounia, avenir li dépend en pile de mission maintien la paix ça qui appuyé par Nations Unies, qui dirigé par Force Police pays Kenya et qui t'est commencé rive dans pays à semaine ça. Nous ta espéré normalement pour que yo ta régler un bagage parce que nous vraiment nous en difficulté. Kay nous bouler, et c'est là nous gain 10 mois là.
nous vraiment difficulté. Premier ministre haïtien Garry Conille était visité base police Kenya dans Port-au-Prince mercredi 26 juin. Il était dit que li clair que ça c'est commencement un nouveau commencement pour pays a. Et puis il mandé population prend patience et puis rester vigilant. Moi-même, je crois que nous à la veille d'un nouveau départ. M'a mandé population haïtienne là pour rester vigilant, pour être confiant. N'a travaillé avec partenaires nous. Engagement tout partenaire nous, il y a plusieurs pays qui font partie de contingent qui viennent supporter nous, il y a plusieurs nations qui sont engagées à nos côtés pour nous prendre pays nous. Donc n'a pas avancé, les populations continuent avec une patience, les pèlerins vigilants, n'a pas avancé. Actuellement, la guerre entre gangs a déplacé plus passé 1,5 million de monde et presque 5 millions haïtiens dans le pays a fait face à une grosse insécurité alimentaire. Toujours en dedans local Rex Théâtre, qui a abandonné depuis quelques temps, professeur Renzo Novanel te dit lui-même que livré que pays étrangers qui a intervenu en Haïti, que yon ta doué considéré misère moun qui perdit kayo. Même gens yon pensé pour yon rétabli l'ordre dans le pays. Parce que kayo nous boule, nous pas gen côté pour nous dormir, nous pas gen ken côté pour nous aller, nous obligé fouer tête nous là. Ça fait 10 mois que depuis nous là, nous en souffrance là, calamité là, même petit nous pas à l'école, en essayer dans pays à l'homme ta aimé pour étranger yo, même gens que yo fait penser que ta mettons l'autre dans pays là, mais faut que ta font penser pour nous-mêmes qui en battant yo là. Parce que nous-mêmes nous subi, nous ta aimé je une solution demain si je vais pour cagon à le mieux. Pour nous recommander qu'à sortir tête nous et de ça que nous là aujourd'hui là. N'a pas rappelé que pays Kenya t'a porté le volontaire pour diriger force là depuis mois juillet année passée. Cependant déploiement force là t'est retardé plusieurs fois par tribunal là dans pays Kenya avec toute violence gang qui t'a augmenté et vin plus grave dans pays d'Haïti. Premier contingent troupes force pays Kenya est arrivé dans pays d'Haïti dans même moment que gros déblosage manifestation t'est pété la caillou et ça t'a créé un doute sur capacité pays Kenya pour diriger mission sécuritaire. Je prévois que force police Kenya a vint en Haïti ensemble avec officiers police qui sortit dans environ 15 autres pays qui gen la donne sa yo qui sortit dans zone l'Afrique à Caraïbes aussi bien que dans pays Canada, la France, Allemagne, Grande-Bretagne avec pays Espagne. Force sécurité yo pral formé avec un total de 2500 policiers avec un budget annuel de 600 millions de dollars qui principalement financé par pays États-Unis. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Et pendant ce temps, situation a été très compliquée. T'as couvert les sodi là dans le pays Kenya et actualité a mené nous dans le pays Kenya. Oui, manifestants yo toujours dans la rue pays Kenya malgré que président William Ruto lui-même l'a abandonné projet loi finance là. Yon jour après manifestation yo qui depuis violence Saint-Ben dans pays Kenya après indépendance li dans l'année 1963. Gentil Augustin Junior. Président capitale la Nairobi réagit ak doute après président kenyan William Ruto te abandonné projet loi finance lan hier mercredi 26 juin 2024 la. Côté li te fait demi-tour pour couper devant pression manifestant yo qui te attaqué parlement. Lè yo te lancé manifestation dans tout pays ya et yo menacé pour faire pi plus action semaine ça. Yon manifestant te dit, président Ruto pas gen aucun choix. Li abandonné projet loi parce que li te konnen gen yon révolution qui t'a vini nan pays sa. Décision sa apparaît comme yon gros victoire pour yon mouvement protestation jeune qui te la depuis yon semaine. Hier, président William Ruto rejeté et puis abandonné projet loi. Jodi a, nous voulons li démissionner. Nous voulons lui démissionner dans poste li parce que nous pas fait lui confiance. Et puis tout député qui te supporté projet loi finance ça, ta doué aller la caillou. Nous pas voulons député ça yo paraître en public. Yo doué disparaître dans Kenya. Nous pas voulons wè tête yo devant nous. Ruto doué démissionner et puis aller la caillou. Nous pas voulons. Jenn yo bouqué ak li et nous pas voulons. Li pas clair. Nan ki point manifestant yo ta d'accord ak décision Ruto te prend hier mercredi a pour abandonner projet loi finance lan. Yon jou après de blozay ki te touye au moins 23 moun après manifestant te prend parlement en otage. C'est seulement yon esquisse.
peut-être seulement pour acheter jeune messie yo et nous seulement espérer c'est tout bon li changer position li. Plusieurs centaines manifestants te rassemblé dans ville Mambosa dans pays Kenya ak nan ville ki soumi nan l'ouest la. Jeudi 27 juin 2024 là, la police te mette gros barrage devant palais présidentiel là nan capitale la Nairobi. Malgré président William Ruto te fait demi-tour sous projet loi finance là. Nous seulement vini ici là pour nous faire entendre voix nous même comme génération Z, nous même comme moun Kenya, nous faisons sel. Donc la police ta doit suspendre touyer nous pacifiquement, nous pas armé, moun a mouri et nous a souffri en bas main gouvernement ça. Manifestant yo te posé pi gros défi depuis 2 ans pour présidence Ruto. Ça qui te commencé comme opposition sur internet contre augmentation taxe que gouvernement te proposé ya. Te vin tourné rapidement yon rassemblement en masse pour mander réforme politique, pillage ak démission président William Ruto. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et oui, 2024 là, c'est année électorale ici aux États-Unis et premier débat élection présidentielle entre président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump. Et bien, l'a déroulé à soir dans Atlanta, Georgia. Et Jean-Robert Philippe a suivi très près pour nous. Gros événement ça, il dit son gros duel gain pile média surtout en Europe qui dit son duel télévisé à haute tension qu'après le fait après-midi et grand pile décision qui prend pour débat ça Jean-Robert. Oui, tension élevée surtout parmi supporters. Donald Trump et Joe Biden a proclamé la parole jeudi 27 juin à Atlanta, Georgie, dans le premier débat élection présidentielle novembre 2024. Là. Chaque candidat a demandé aux électeurs de voter pour candidat adverse. Là, c'est capable d'une catastrophe. Inflation is raging, crime is out of control. Donald Trump, candidat parti républicain, a déclaré Joe Biden, candidat parti démocrate, là, c'est un win pour le pays. Là. Inflation a augmenté, crime dépassé limite, Europe en chaos, Moyen-Orient a explosé, Iran vient pire, la Chine a valé terrain. Président Terib Sa a mené pays dans la direction d'une troisième guerre mondiale. All progress, all freedom, all opportunities at risk. En réponse, Biden déclaré qu'on est capable de faire pays à faire marche arrière. N'a risqué tout progrès, toute liberté, toute opportunité nous déjà fait. Trump a essayé de faire oublier moment sombre et troublant pays à te connaître pendant qu'il était sous pouvoir. Non pas bien oublié. Sondage montré course électorale a serré entre deux candidats, ça qui montrait importance débat. D'après professeur Alan Schroeder, cap ancien journaliste dans Northwestern University. I think that puts sort of equal pressure on both of the candidates, both in terms of the opportunity the debate presents to them, but also the risk. Le débat mettait une pression légale sur deux candidats, yo, l'un considéré opportunité avec risque représenté pour yo. Débat ça unique, à cause c'est pour la première fois d'y mettre face à face un président en exercice avec un ancien président. D'après professeur Kathleen Hall Jamison, qui a pensé communication dans l'université Pennsylvanie. So the public is more knowledgeable about both of these candidates. Public là a plus connaissance sur les candidats yo, comme individu, tempérament yo, habitude yo, avec disposition yo. Mais année ça, à cause l'âge de candidat yo, gain nécessité, même si on connaît l'âge de candidat yo, il est plus facile pour dire année ça, est-ce que l'âge de candidat yo prononcé assez et stable mentalement assez pour président États-Unis. Débat politique là gain pour elle avec message avec moment opportunité d'après analyste Brett O'Donnell. Got to drive a message consistently across the debate, but then you want to have a couple of moments in the debate. Message de consistant dans tout débat, mais vous voulez gagner un moment pendant débat pour briller, pour capable attirer attention presse là, pour capable prendre avantage compétitif sous candidat adverse là. Débat 27 juin, c'est débat présidentiel qui fait pi bonheur dans l'histoire des États-Unis à cause ni Trump
ni Biden pour qu'on désire officiellement comme candidat parti respectif. Pas gagné déclaration d'ouverture. Micro candidat qui pas parlé a fermé jusqu'à ce que la prenne la parole. Jobert Philippe, Vieux Creole, Washington. Docteur Koujaoubert Philippe dit-nous, eh bien, c'est dans la convention nous qu'on est officiellement qui monde qui prend le candidat pour parti républicain avec ça qui prend le candidat pour parti démocrate là. Nous parlons dans l'autre point qui a dominé actualité et nous parlons en Amérique latine, là, surtout en Amérique du Sud, dans Bolivie, arrestation générale en chef la mer Juan José Zuniga après une tentative coup d'état contre président Luis Arce. Sandra Lemaire, gain détail. Gouvernement bolivien te gen information comme quoi une tentative coup d'état t'a paré avant commandant militaire Piro placé pays a ak troupe li yo te forcé entrer dans palais présidentiel la semaine ça. C'est ça un ministre gouvernement déclaré jeudi 27 juin. Vice-président MAS la Gerardo Garcia accusé gouvernement d'est-ce que c'est lui-même qui comploté coup d'état. Si esto no haya sido un autogolpe en el momento que ha hecho las declaraciones Zúñiga, creo que ha sido el día lunes, ya el presidente debía cambiarlo de comandante y general de la Fuerza Armada. Tentative coup d'état raté mercredi a duré quelques temps. Il a déclenché condamnation vite et pressée, leader tout partout dans le monde. Leader Sayo soulevé qu'elle sautait de ce que pays Amérique du Sud, ça a toujours dans danger. Unité militaire a été mobilisée mercredi et puis prend direction place centrale La Paz. Et puis après ça, essayer craser porte palais à qu'on blindé pour permettre soldats de courir entrer en dedans. Soldats ont fini par battre au retrait et la police te reprend le contrôle place là. Président Luis Arce pas perdu temps pour nommer un nouveau général. Jodi a, c'est la police qui t'a veillé palais en bas la ville La Paz, mais moun te kawè impact zak violence qui t'est déroulé pendant tentative coup d'état. Devant quartier général force police spéciale là, côté leader coup d'état mercredi a toujours en bas corde, partisans gouvernement yo te critiqué quoi et puis fait qu'on est yo appuyé démocratie. Es increíble que en pleno siglo XXI pueda haber un intento de golpe. Es que il est incroyable que dans 21e siècle là une tentative coup d'état a déroulé. Nous défendons droit constitutionnel là, nous défendons droit démocratique que tout Bolivien jouit. Nous faisons veiller qui durait toute nuit là. Luisa Torres, Van Journal dans la rue. Nous hemos asustado bastante. Non, parce que c'est un hecho lamentable que il dit nous t'ai un gros qui a sauté parce que c'est un événement malheureux qui mettait la vie tout le monde en danger. Plus passé toute bagaille, nous gagne qui a sauté pour simple citoyen yo. Machin yo peur parce que n'a vive de jour en jour. Donc ça préoccupait nous mais grâce à Dieu, yo résout li et puis toute bagaille calme pour nous. Gracias a Dios se ha solucionado y estamos más tranquilos. Gampir bolivien et puis interviewé qui accusé Arce d'est-ce que il fabriquait gros drame pour augmenter popularité li qui baissait en pile. C'est même bagaille général Zuniga t'a dit. Evaristo Mamani, c'est un avocat et professeur. De lejos ha sido un autogolpe planificado, premeditado. Dit de loin, au cas où c'est un bagaille bien planifié, un autocoup d'état ou regrettable. On t'a vu quelques collègues employés l'État qui t'a rien dans eux. Eh bien, si c'était un coup d'état, tant pour ça nous te prend en 2019, yo pas tap capable faire ça. Donc on quoi yo te connaît toute bagaille. Gen bolivien qui t'est soulevé même doute ça yo sur réseaux sociaux yo tout. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra Lemaire. Eh ben ça c'est une femme qui saute banou un reportage sous coup d'état manqué dans pays Bolivie. Nous connaît jeudi c'est rendez-vous avec Cause et Femme. Et nous sommes tendre Sandra Lemaire là qui est présenté nos reportages. C'est Yon Femme. Faut dire que dans le service créole là, nous-mêmes, nous pas seulement travail devant computer, devant micro, des caméras, devant caméra, à souterrain, faire reportage, mais nous célébrer tout. Nous célébrer Femme. Femme qui parmi nous, surtout nous pas grand pile, nous avons Marie-Louise Pierre avec Sandra Lemaire. Et hier, nous avons eu l'occasion de fêter, célébrer Sandra Lemaire. Parce que 19 juin, c'était anniversaire. Il part là avec nous.
Mais nous t'ai choisi hier pour nous passer un petit moment quand est que nous fêter célébrer Sandra Lemaire. Nous pas célébrer seulement parce que en général nous tellement son famille nous est dans service créole là dans VOA créole là et mais fête yon c'est fête l'autre donc fête Sandra. C'est fête pas nous et hier nous t'ai passé vraiment un moment de qualité ensemble pour te que nous t'ap exprimer tout l'amour que nous gain pour lui et nous connaît que lui même tout lui gain pile l'amour pour nous tout en a regarder ça vibrer. Nous connaissons depuis et haïtien fêté papa gain manger et te gain bon manger et c'est monsieur yo dans service créole là et qui prépare toute belle bagaille ça yo que nous wea donc il faut dire que monsieur yo konn fêté et yo konn préparer manger yo la fois encore nous prend plaisir dans notre toute service créole là pour nous dire Sandra Lemaire bonne fête il t'a fêté 19 juin et il fêté même date avec petit bras donc nous comprenons joie moi joie particulièrement donc nous dit Sandra l'autre fois encore bonne fête et que nous remet en plaisir passer une bonne fin de journée ou bien une bonne soirée et ben n'a pas casser rendez-vous pour demain bonsoir. Commissaire gouvernement Vilo Kaila, maître Ronald Richemont, et bien pas chef encore. Joune jodi an, commissaire, yo révoqué et la chita pour le temps, yo mené enquête sur lui, pour yo koné est-ce que Ronald Richemont, li se yon complice par rapport ensemble avec, ensemble plainte yo déposé vis-à-vis de lui-même. Genye chef gang 400 Marozo an, n'a parlé de l'amour sans jour. Eh bien, l'an mois sans jour, après que Jacques te fin accusé comme quoi c'est lui-même qui te cassé usine Bakara, côté yo stocké, Bakara, l'an mois sans jour, fait Jacques ouais que l'écrasé côté yo stocké Bakara rapiété. L'autre information n'a gagné pour nous capable vin commenter ensemble avec vous, vin partager ensemble avec vous, c'est concernant chef gang base 5 secondes là, ISO 5 secondes. Journée jodian ISO 5 secondes a préparé pour le capable bataille ensemble avec policier kenyan yo information ta même fait quoi que ISO commencé recevoir matériel li commencé recevoir armes pour le capable bataille ensemble avec eh bien force multinationale là qui vient en tête li eh bien pays Kenya nous connaît journée jodian qui monsieur Sayo qui déjà rivé dans pays an. N'a démarré ensemble avec information concernant commissaire gouvernement ville Okailan Ronald Richemont. Ronald Richemont nous connaît qu'il même tient en tête paquet ville Okaï. Décision tombée bonheur jeudi hein. Ronald Richemont li pas chef encore. Yo mette Ronald Richemont yon côté yo l'ouvri yon enquête sur Ronald Richemont sous plusieurs plaintes. Eh bien yo accusé Ronald Richemont. Qui sa information en lui-même lié? Gagné ministère justice et sécurité publique là, qui mettait en disponibilité commissaire gouvernement près de tribunal première instance Vilo Kailan, n'a parlé de maître Ronald Richemont. Décision ça li prend dans une correspondance qui adressé ensemble avec commissaire gouvernement, n'a parlé de Ronald Richemont dans date jeudi 27 juin 2024 là. Correspondant ça, qui portait signature ministre Carlos Hercule, ministre justice là, lui expliquait que décision ça, lui prend contre Ronald Richemont après une série de plaintes
yo pote kont li menm nan exercice fonction li. Se yon desisyon ki dapre minis lan li konsiste pou l kapab garanti impartialite anket ki gen pou dilijante autour de fait que yo reproche CG Richemont. Par contre, ministère l'a précisé que gen yon commission ki désigné ki gen pou désigner nan délai ki pi bref yo pou capable mener enquête par rapport avec plainte qui déposé vis-à-vis de commissaire Ronald Richemont. Décision ça li rentré en application immédiat et li notamment signé par décana près de tribunal première instance Vilokay. N'a rappelé que maître James Jean-Louis qui s'est substitut commissaire gouvernement près de tribunal première instance Vilokay là, eh bien c'est lui-même qui a choisi en attendant pour capable remplacer CG Ronald Richemont. N'a rappelé gagné Guilherme Sius Delva. Nous connaissons qu'il même c'est une responsable SOS journaliste. Il était déclaré que Ronald Richemont c'est une monde qui participait dans assassinat journaliste Tess Gary dans Vilokay. Et Ronald Richemont li te joué yon rôle clé nan assassinat journaliste la. Malgré li te lancé plusieurs appels pour te destituer Ronald Richemont, eh bien, yon pas de jam destituer Ronald Richemont sous gouvernement Ariel Henry. Et d'après responsable SOS journaliste, n'a parlé de Guilherme Sius Delva, qui c'est en même temps yon journaliste, commissaire gouvernement Vilokay la, Jodian qui parle encore, qui pas commissaire, Ronald Richemont li accusé le fait que li te orchestré assassinat en octobre 2022. Journaliste et commentateur politique Gary Tess m'a parlé d'après Guilherme Sius Delva, qui est même qui est responsable SOS journaliste. Pierre Ricardo Ben, que en pile moun dans ville Okaï connaît sous nom Chito Ben, l'été avoué que participé dans yon complot qui te gen pou te assassiné journaliste Tess Gary. Mais Chito Ben li indiqué que li pat en désaccord avec plan macabre sa qui te orchestré par commissaire Richemont. Planification assassinat li te élaboré par moi-même. Commissaire gouvernement Richemont et Montimer Jean-Michel te déclaré Chito Ben. C'est ça que Chito Ben te déclaré à SOS journaliste depuis prison li nan Carrefour. Chito Ben n'a rappelé monsieur ça qui nan prison nan Carrefour qui nan zone métropolitaine en Port-au-Prince là. Nous tous les trois te planifié assassinat Tess Gary. Mais yo pas connait que si m'té en désaccord avec décision yo an, d'après ça que Ben te ajouté. À côté de nous trois, toujours d'après ça que Ben te déclaré by journaliste SOS journaliste là, n'a parlé de Guilherme Sius Delva. À côté de nous trois, t'es gagné Wilkins Tirogène, t'es gagné Patrick Clerville, t'es gagné deux mounsaro.
L'autre moun yo, yo te fait partie de garde corps Ronald Richmond. Et yo pas informé de assassinat, toujours d'après Ben. Parce que Ronald Richmond t'a invité pour te impliquer trois moun dans question ça, parce que li te peur que, eh bien, yon moun pas révélé. D'après ça, Ben te fait connaître avec, eh bien, et journaliste Guilherme Delva, qui lui-même c'est responsable SOS journaliste. N'a pas rappelé que journaliste Tess Gary t'a animé yon show qui très populaire sous yon radio dans Vilokay qui relait Le Bon FM. Li t'a pral disparaître dans date 18 octobre 2022, mais que t'a pral jouer une call qui pas de gain vie dans date 24 octobre dans même année. Dans yon quartier qui relait Poko, eh bien, dans environ la ville Okay. Gary Tess te kon critiqué Ronald Richmond pour différents types de vieux bagages que te kon fait, parmi eux des arrestations ainsi que des détentions arbitraires. Gary Tess te kon critiqué Ronald Richmond en pile par rapport avec genre de action sa ou que li te kon commettre. Li te kon arrêté moun Jean Levle et Levle te kon mette moun nan prison. Et Gary Tess te kon critiqué Ronald Richmond tout par rapport avec yon ensemble exécution que li te kon fait. Et bien pour dangrien Ronald Richmond te kon tire moun. Li te kon toujours nan conflit, c'est quelque et bien fait que li te kon fait qui fait que et bien journaliste Gary Tess que monsieur yo te prend dans la nuit 18 octobre 2022, mais on t'a pas retrouvé quoi li dans date eh bien 24 octobre 2022, eh bien on t'a pas joué un corps journaliste sans vie, journaliste là le plus souvent qui te kon critiqué Ronald Richmond par rapport avec fait ça yo. Eh bien, faut que nous dit que journée jodian Maître Carlos Hercule li mette Ronald Richmond yon côté pour machine pas frapper en attendant que gagne enquête. Oui, enquête qui l'ouvri sous ensemble fait ça que yon reproché. Eh bien Ronald Richmond n'a pas rappelé qui était commissaire gouvernement dans Vilokay journée jodian n'a pas rappelé eh bien qui pas commissaire gouvernement encore journée jodian moun qui remplacé Ronald Richmond comme commissaire du gouvernement, lire les maîtres James Jean-Louis. Après ensemble accusation et plainte que ont été portées vis-à-vis de Ronald Richmond, ancien commissaire gouvernement ville Okaylan, n'a pas rappelé que Ronald Richmond était dans une petite bouche par bout ensemble avec commissaire Muscadet Jean-Ernest. Te gen yon conflit qui te ouvri entre deux monsieur Sayo après que Jean-Ernest Muscadet te décidé pour que li te capable rentrer dans juridiction. Eh bien, Ronald Richmond pour te capable al prend chef gang Mariania Boudba d'après information que li te joindre, eh bien Boudba dans Vilokay. Et Jean-Ernest Muscadet était décidé pour te faire un poté bourré pour te capable rentrer eh bien dans juridiction et Ronald Richmond pour te capable eh bien poser la patte pour te capable marrer con crabe eh bien bout de bas. Et nous connaît Jean-Ernest Muscadet gagné un bagaille que lui dit juridiction parlant c'est l'enfer pour tout bandit. Par rapport avec situation ça, commissaire Richmond te senti que li te gen problème. Ça te bal problème, li te décidé pour que li te rentre en conflit ensemble avec Jean-Ernest Muscadet par rapport avec action ça
Et il faut nous dire que les réseaux sociaux ont pris du feu vis-à-vis de gens de conflit qui ont gagné entre eh bien, commissaire Jean-Ernest Muscadet et commissaire Richemont. Ministère Justice, à l'époque, là, Emily Prophète Milsé, il a réagi rapide, vite. Ministre territoire perdu. Il t'a pas réagi, il pas prend temps pour te réagir. Elle t'a ba yon lettre, il t'a dressé yon lettre by deux monsieur Sayo pour que yo t'es capable calmer yo. Pour que yo t'es capable calmer yo. Et mes informations c'est que journée jodi an Ronald Richemont qui était commissaire gouvernement ville Okaï, il pas commissaire gouvernement ville Okaï encore, yo mette le chita yon côté en attendant que yo l'ouvri enquête sou li, en attendant que eh bien yo joigne des preuves vis-à-vis de yon ensemble de plaintes que yo déposé par rapport avec Ronald Richemont, par rapport avec mauvais action que monsieur ça qui est Ronald Richemont te kon fè les que li té chef parquet dans ville Okaï. Parmi yo genye yon Guilhercius Delva te déposé contre lui et plainte ça li impliqué Guilhercius impliqué Ronald Richemont dans la mort monsieur Tesgari qui c'est un journaliste qui te kon fait une émission sur radio le Bon FM dans ville Okaï. Eh bien journaliste te kon critiqué Ronald Richemont en pile d'après journaliste SOS journaliste là Guilhercius Delva. Eh bien, Ronald Richemont t'es participé dans yon complot pour te détruire la vie. Eh bien, journaliste. Ronald Richemont, je vous dis, hein, qui remplacé par Maître James Jean-Louis en attendant que l'enquête là, li fin mené sous lit. N'a pas quitté information qui est pour Ronald Richemont pour nous parler de Baron Plaine. L'homme sans jour. Monsieur qui dit lycée qui est bois, qui papait, vrapère. C'est comme ça le dit. Qui est bois, qui papait, vrapère. Eh bien, le mois sans jour, après que Maître Bakara, Jackie, te fait connaître que le mois sans jour crase espace que yo stocke Bakara yo. Bakara, nous, n'a pas rappelé que c'est un produit dominicain. Li rentre nan peyan, yo stokel nan yon espace kwa de bouquet. Et bien, Baron Plaine nan, l'an mois sans jour, fè yon sorti pou l'annonce ak Jackie que li krasé pou tout bon Bakara. Ki sa nouvel lan yé? Bakara se nan yon espace ki nan kwa de bouquet, et se nan espace sa ke yo stoke bouteille rhum qui relait Bakara pour yo capable livrer dans tout pays. C'est là yo stockel si on moun besoin acheter. D'ailleurs dans espace ça leur fait distribution dans tout pays, mais c'est là bouteille sorti, soit gros bouteille ou bien petit bouteille pour que yo capable à livrer et bien dans tout racoin dans pays. Napraflo Bakara, c'est une compagnie dominicaine, mais c'est Haïti, eh bien, Bakara vend plus. Met espace Bakara, qui c'est Jackie, en même temps qui c'est cousin, et puis mon compère, vite l'homme innocent, chef gang Torcellan. Vite l'homme baptisé petit Jackie. Eh bien, Jackie t'est accusé l'an mois sans jour comme quoi c'est lui-même ensemble avec Neglio qui t'est cassé Bakara. Dans moment monsieur vivant sans mieux t'a cassé eh bien plusieurs business dans plein nan. Dans moment monsieur vivant sans mieux t'a cassé plusieurs eh bien banques dans plein nan. Bakara pas épargné. Et d'après Jackie, nouvelle qui t'est arrivée, joindre lui, c'est l'an mois sans jour ensemble avec monsieur Lio qui t'est cassé Bakara.
faut nous dire que c'est vite l'homme avec équipe li qui te commet action ça, c'est pas l'an mois sans jour. Par rapport avec accusation si là, l'an mois sans jour senti li estomaqué, li fâché, mais l'an mois sans jour décidé attaquer pour tout bon espace ça qui rele Bacara d'ailleurs qui est stocké produit Bacara yo li décidé pour attaquer espace ça et l'écraser rapiété espace ça on m'a pral invité nous tendez réaction baron plein l'an mois sans jour depuis les que li fin commettre zak ça li voye message li fait vidéo mais malheureusement pas ka wè vidéo ou attendre réaction l'an mois sans jour qui lui-même décidé parler ensemble avec Jackie pour le dire Jackie eh bien c'est moi-même qui l'an mois sans jour c'est moi-même qui baron plein nan moi prend responsabilité comme on te dit m'te casser m'pas casser eh bien m'craser le rapiété pour vous. Comme dans le se jab, ou attaque m. Sa gen pi gwo jab avec la, l'ap tombe. Oui, l'an mois sans jour, baron plein nan. C'est peut-être ça, eh bien, li bay tête li non, baron plein nan. M'ap invite nous tende l'an mois sans jour, baron plein nan, qui li même ap réagi après que le fin commet zak sa. Et nan moment, monsieur le tap réalise action sa, eh bien, monsieur le te parle. Entende l'an mois non. Aux difficultés et gagner quelques soucis pour que nous capables et portant des déclarations là moi on essaie là pour moi attention bah on plein et Jacques ou t'es fait me lettre bah on la plein une fois réponse femme ou t'es dit bah on la plein craser casser bakao ba on la plein ba kon kote bakao et le samedi là comme on ti soussoué on ti figoué hein on ti soussoué on ti figoué OK ah ben ou te dit me casser ba on la plein ba kon ça et me craser lui met ba comme là comme on dit jab ceci Jab si lam na jab ou na jab, sa te pipiti a la pas en bas. Tade samdou la, parce que moi comme si moi wap chache, et moi wap chache un bon moun. Hein? Mse ti moi wap chache un bon moun. Yeah. Mbe me même, met l'eau de la dan bo. Ou tade samdou la, padam bat konen, mbat même kon koule baka oi. Ou di me même. Ou konnen ba jam pe ça me fait depuis moi te fè m'ap di me fè mais même Jackie pa do konnen comment ba ka cassé ou di ba on la pleine moi me konnen tout ta kite mo kon sa sot nan jò lou t'ap chercher konton bel pile kaka choyé respect figi moun ki pa regarde vidéo ça pou te fauté jò lou met la men pou di mwen menm kase bakao mwen mi a ben m krasé l ouais papa m commencé travay pou la m commencé pa don pa konnen rien nan sak t'ap fèt ou konnen citoyen sak met bakara ou konnen se Vite l'homme est confère, vous comprenez? Vite l'homme est confère, vite l'homme est. On a le bac à choisir pour dire, mon cher. Mais ça, vite l'homme fait, même choisir, dit, mais ça, là, moi, ça, je fais. Et ça, nous, c'est décidé. En fait, quand vous avez mon travail pour me faire, vous commencez à frapper là, vous commencez à frapper. Je frappe vous là, jusqu'à présent, parce que la plupart des Haïtiens, l'homme est Haïtien,
pas de pauvre, lui rend une sorte, elle vient sauter. Parce que maintenant, pendant ce temps qu'on est, il y a un citoyen zone, il va connaître dans cette fête-là, il va connaître des bacara. Pour nous choisir, oui, c'est voilà, moi, sans jour, c'est bacara. Évitez l'homme qui se cousin. Quand ça me tente, évitez l'homme qui se cousin. Et mon compère encore, lui-même qui crase, c'est bacara. Pendant la moisson, je ne vais pas connaître, je choisis c'est la moisson. Mais la moisson, je vais mon travail pour me faire bouler là. Et pas changer, papa, chez vous, commencer le travail. Ma frappe là, ma frappe, je vais un petit calba ou toujours. Pour commencer, ouais, on voit. Je suis pas comme là, ma frappe est sérieuse là, papa, chez vous. Et puis après ça, ça un petit bagaille toujours. Et puis ça parle bien, hein. Après plein quand même, parce que nous là, on attend. Nous là, on attend. Et mettre tout taliban honnête. Sous les lieux là, ça gagne pour le frapper. Bien rapide. Deux mouns nous tapent de la yo, dans le premier temps, c'est l'an mois sans jour, baron pleine. Deuxième bois, c'est yon nan soldat, l'an mois sans jour, te voye à exécuter mission. Pas oublier que l'an mois sans jour, d'ab, li pas sorti facile. D'habitude, l'an mois sans jour, pas mettre pied la terre, vrai. C'est plus soldat yo qu'al exécuté pour l'an mois sans jour, baron pleine nan. Eh bien, soldat yo fin krasé, rapiété, bakara, yo voye image, bay baron pleine nan, et baron pleine nan li même li fait vidéo pour le parler ensemble avec Jackie, pour le dire Jackie, comme étant donné que li te accusé comme moun qui te volé, pillé, bakara, eh bien, cette fois-ci, li prend responsabilité. L'écrasel rapiété. En parlant de l'an mois sans jour, semaine, nous t'es capable que l'an mois sans jour, t'es là l'école, dans un véritable travail. Et travail, ça pas de l'autre que nettoyer cimetière. Croix des bouquets. Oui, cimetière, croix des bouquets. L'an mois sans jour, ensemble avec troupe Lio, ensemble avec monsieur, t'es là dans une vaste opération de nettoyage. Cimetière. On garde non. Non, c'est l'an mois sans jour. Baron plein. Non, baron ou est cimetière. Qui donc, l'an mois sans jour, gen un esprit baron qui ensemble avec lui. C'est une raison qui fait que, le plus souvent, l'an mois sans jour, li touye moun pou dan griye. Parce que l'el ou a baron sa, danse nan tête l'an mois sans jour, c'est sans pou le boue. Et baron, pas de l'autre côté que baron yé, c'est dans le cimetière. Eh bien, opération nettoyage de cimetière que l'an mois sans jour te lancé ensemble avec soldat Lyon, c'est pas une opération comme ça. Pas oublier que l'an mois sans jour te lagé kol dans vaste opération ça, nan moment, force, eh bien, Kenyan yo te rentré dans le pays, policier Kenyan yo rentré dans le pays. Automatiquement, l'an mois sans jour gen information que policiers rentrent dans le pays, ils lagent quoi dans l'opération nettoyer cimetière. Et mais ce n'est pas nettoyer cimetière lié tout bon vrai. Et mais opération, c'est qui s'allie, c'est chercher moun qui mourit dans le cimetière là, qui pagaient trop de temps dans le cimetière là. Des moun qui ont enterré dans le cimetière là, qui gagnent de 3 semaines. Là, on cherche moun sa ou. Nan ki objectif? Eh bien, objectif n'en pas l'autre que, parce que l'an mois sans jour, pas oublier que, monsieur vivant sans mieux qu'on est, force qui rentre en, pas bin tete lang ensemble avec yo. Pas bin jouer ensemble avec yo. Le fait que yo qu'on est force, nan pas bin tete lang ensemble avec yo, force nan pas bin jouer ensemble avec yo, eh bien, yo préparé pour force nan. Pas oublier m'de dit nous que, yo fait toute préparation mystique contre force. Geneg, ces zombies yo commencé préparer là pour yo mettre bataille ensemble avec force là. Geneg tout ces coup de poudre yo commencé préparer pour yo bay eh bien policier kenyan yo coup de poudre. L'an mois sans jour bon côté parle, pas oublier que l'an mois sans jour son ougan que lié. Son nèg qui très mystique. Li lagé quoi dans vaste opération chercher moun ki
à peine mouri, qui enterré dans le cimetière là, cimetière Croix des Bouquets, et bien prend moun sa yo, prend de l'eau corps moun sa yo qui fait mourir, hein, lave zam, y a servi ensemble avec l'eau moun corps moun mouri yo. Tande bien oui. Lave zam que yo gen avec l'eau corps, lave cartouche yo avec l'eau corps. Et puis mettez cartouche en dedans moun mouri yo. Est-ce que nous comprenons dimension mystique, degré mystique l'amour sans jour? Et préparation ça, li pa pou ni deux ni trois moun, la police, l'armée et la police kenyane qui nan payan là. Lè on fait genre de pratique ça yo, eh bien l'amour sans jour, lè prend l'eau comme moun mouri yo. Li lave zamni, li lave katouche yo, eh bien, li yon aspect mystique. Si toutefois, moun sa li pat pese, eh bien, par rapport avec degré mystique sa, et le pran katouche yo, mette en dan, moun mouri en fait plusieurs jours, eh bien, si toutefois, moun nan pa pese, katouche yo te mette flotton seulement, ou pa kapa mouri. L'amour sans jour qui connaît monsieur Kenya qui sorti dans un pays qui très mystique, d'ailleurs il sorti en Afrique. Nous connaît qui quantité loi, qui quantité diable qui gagne en Afrique. Eh bien, l'amour sans jour préparé pour monsieur parce que il connaît monsieur avant il fait en pile cérémonie. Et dans sens ça, l'amour sans jour, il te propose à nettoyer cimetière, il pas t'a nettoyer cimetière vrai. C'est moi qui a peine enterré monsieur Otap chercher pour qu'il soit capable de faire des grès mystiques. Pas oublier, les moun nan a peine enterré, li gon dlo la baye. Dlo sa, c'est dlo sa yo utilisé et bien pour yo capable laver zam, laver cartouche et pour yo prendre zam, pour yo prendre moun sa, pour yo cochel, pour yo faire trou dans li, pour yo mettre et bien pour que yo capable mettre cartouche en dedans moun sa pour une quantité de jours. Et automatiquement, zam sa yo, katou sa yo pre, lè pou yo tire moun, automatiquement, katou sa yo flotte moun nan seulement, moun sa pa ka viv, la mouri. Se youn nan raison ki fe ke, jounen jodi an, katye ki rele, kwa de bouke an, li vin très sensible, li vin très fragile. Pendant nan pale de l'amour sans jour, fòk nou di ke, l'amour sans jour malgré présence force kenyan nan paysan l'amour sans jour montrer que le se baron plein nan li pa peur force lan l'a agacé force lan l'a agacé la police l'a agacé l'armée d'Haïti. Eh bien matin bonheur l'amour sans jour ensemble avec équipe li yo mette quoi dans la rue et pendant yo mette quoi dans la rue dans quoi des bouquets yo prend direction mairie Croix des Bouquets. Et là yo rivé devant mairie Croix des Bouquets, monsieur yo rentré en dans mairie, yo cassé mairie et yo mette du feu en dans mairie. Qui non? Yo commencé agacer force là. Yo commencé agacer premier ministre Garry Conille, nous connaît qui t'ai fait en sortie. Eh bien, il t'a dit que autorité, c'est l'État qui gagne. Bandit pas gagne autorité. Eh bien, l'amour sans jour montre que l'ICE baron plein dans tout bon vrai, malgré présence, force Kenya dans le pays. Monsieur yo, yo mette du feu dans yon camion, tout dans yon camion et deux groupes électrogènes que Mérian gagne. Pendant que chef gang 400 Marozon, avant ça, n'a pas rappelé que l'ITB était en vidéo dehors, une vidéo qui t'a circulé, côté que il a montré que il a fait social, il a nettoyé place, qui tout près mairie, il a nettoyé cimetière là, eh bien, non, bab, policier kenyan yo, eh bien, action s'est arrivée, n'a pas rappelé policier kenyan yo, yo à quelques kilomètres, puisque policiers, c'est tout près des CPJ que vous voyez, c'est la base biologique.
Et automatiquement, ou quitte là, ou prend Kafou Fleurio, après Kafou Fleurio, ou prend Kafou Marasa, l'on finit avec Kafou Marasa, ou mette tête tout droit, ou aprivé, eh bien, non, et mairie, quoi de bouquet. À quelques kilomètres de Force Kenya, action ça, l'irrivé. Policiers qui t'est arrivé dans la date mardi 25 juin 2024, là, c'est déjà un pinga, c'est déjà un message. 400 groupe et chef gang 400 Marozo, l'an mois sans jour, déjà lancé vis-à-vis de M. Sayo. N'a pas fait quitter information concernant l'an mois sans jour, bah on plein non. Vous n'allez parler de yon lot toro, ISO 5 secondes. Eh bien, monsieur, yon là, yon prêt pour yon goumer ensemble avec force. Là. Si c'est vrai, yon fait des préparations sur le plan militaire, yon pas acheté ZAM, yon pas acheté munitions, et gagné trou, yon commence à fouiller, mais yon l'autre préparation mystique, tout monsieur fait. Eh bien, ISO, bon côté parle, c'est préparation militaire là, ISO 5 secondes a fait. ISO 5 secondes, nous connaissons qui c'est chef gang village de Dieu. Eh bien, yon nan bagay ISO 5 secondes fait. Eh bien, li pa l'autre que acheter munitions. Et ISO 5 secondes passe l'ordre pour pièce moun qui sorti village de Dieu, eh bien, pas quitter village là. Ou capable toujours quitter village là ou à l'acheter ou à gérer à faire pour. Mais automatiquement, ou fin régler son après de lancer tourner dans le visage là. Malheur à ou, sous ta sorti avec valise dans mais ou, bec sous dos, qui gen rad, comme quoi ces zones là ou à quitter. ISO 5 secondes passe l'ordre ensemble avec soldat yo, n'importe moun. Yota jwen nan village lan avec bec ou bien avec valise avec mallette kap kite village lan, eh bien l'autre lan par l'autre que c'est bal au bal nan tête. Et ISO déjà commencé recevoir pile cartouche, pile zam que il était déjà placé commande pour te acheter dans l'idée pour goumer ensemble avec force lan. Monsieur a préparé pour yo bataille contre force lan dans tout sens, yo a préparé yo militairement parlant, ça veut dire acheter des armes, acheter cartouches, acheter matériel, placer bonbonne, fouiller trou, et il a préparé tout, mystiquement parlant, parce que l'amour sans jour lui-même, pratique parle, c'est prendre l'eau, corps, moun mouri, laver les armes, laver cartouches, prendre cartouche, mettre dans moun mouri, faire une quantité de jours pour que bah, ça soit capable de monter, flotter seulement au flotteau. Ou capable mourir. Parce que li ou gen intérêt pour que ou capable abonner ensemble avec Chanel là. Et le moment que ou recevoir information ou pas kebe ou pou kontou, partager ou ensemble avec yon groupe de moun pour que ou capable informer en temps réel de ensemble information qui gagne dans un pays. Nous te prenons plaisir pour que nous te capable informer ou.